À deux jours du premier anniversaire de la guerre israélo-arabe, juifs et musulmans s'affrontent depuis dimanche après-midi dans le quartier de Belleville à Paris. Des batailles rangées à coups de bouteilles vides, de pavés, voire de matraques et de couteaux, ont entraîné l'intervention en force de la police, des CRS et des gendarmes mobiles. Selon des témoins, ces heurts auraient eu pour origine une querelle au cours d'une partie de cartes, mais il est douteux que cela puisse expliquer la violence des affrontements. Le premier incident a éclaté dans un café du boulevard de Belleville, dimanche vers 15h. Un combat a opposé juifs et musulmans qui jouaient paisiblement au neuf, un jeu fort prisé dans le quartier. Les Arabes qui avaient perdu accusèrent leurs partenaires juifs d'avoir triché. La bataille gagna bientôt la rue et se propagea très rapidement dans les petites rues qui tiennent à la fois de la Casbah et du ghetto. Les rues, jonchées de verres brisés, de pavés et de pierres, les devantures saccagées ou calcinées, témoignent en fin de journée de la violence des affrontements. En dernière minute, on apprend que M. Masmoudi, ambassadeur de Tunisie en France, a rencontré ce soir les chefs de la colonie israélite en vue d'engager une négociation entre les deux communautés.